Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de jeux vidéo. Non. Non, pas du tout. En réalité, je vais parler tout simplement des CD que j'ai achetés il y a un petit moment, mais que j'ai acheté pour 9 euros. Donc 10 euros, et il y en a quand même pas mal. Pourquoi je vais vous parler de ça? Je vous avais dit que la dernière fois, c'est ce que je veux faire. Ce que je veux faire pour faire mes CD et après les revendre 10 euros le CD. Voilà, 10 euros et il y en a 25 CD. Voilà, 25 CD. J'ai acheté ça chez moi, j'ai pas acheté ici, hein. Alors, c'est du CDR, donc du moins, vous voyez, du barbitine. Hein. Verbatine, pardon, pas barbitine, verbatine. Et j'ai, bon, comment dire, j'ai acheté ça là chez moi, au Portugal, ça fait un petit moment. Et pour l'instant, comment dire, pour l'instant, je fais rien parce que j'attends du matériel qui doit arriver bientôt. Vers exactement, si je vous dis ça, entre février, mars, ouais, février quoi, entre, ouais, c'est ça, hein, en février, je vais commander une table de mixage, c'est même pas une table de mixage, une console. Une console de studio, qui veut dire je vais utiliser comme studio. Donc bien sûr, dans bon, j'envisage peut-être d'acheter un jeu de lumière. Je vais voir comment je vais faire. Et le problème, c'est même pas un problème. Le truc, c'est que tout simplement, j'aurai une console qui est grande, hein, c'est pas une petite console. J'aurai aussi un truc d'effet, un son d'effet. Donc je vais voir comment je vais faire tout ça, je vais voir. Mais vous allez voir qu'est-ce que je vais acheter. Parce que ça, c'est pour, c'est pas pour faire mes animations, mais c'est pour tout simplement que je puisse, que je puisse faire de la vente. De CD, tout simplement. Et bien sûr, la vente de CD se fera par pas par mon site internet. Hein, il fera pas par mon site internet. Il se fera autrement et je vais me déplacer un peu souvent. Et vous verrez, vous pouvez nous voir, me voir à dans Paname, mais le lieu je le donne pas. Vous le saurez quand je serai en vidéo, bien sûr. Ceux qui disent qu'ils veulent venir à la gare du Nord, eh bien ils peuvent y aller parce que je ne serai point à la gare du Nord. Là, je ne m'occupe pas de la gare du Nord parce que la gare du Nord n'est pas dans mon district. Pourtant, c'est proche de chez moi, proche quand je prends le RER. Hein. Bref, donc tout simplement, je vais faire ça, et tout doucement. Alors pour les jaquettes, hein, je vous ai expliqué que je vais faire du papier, c'est du papier. Je ferai, quand je vais aller sur internet, je vais vous faire une petite démonstration non, ce sera sur les liens, pardon, c'est ce que je voulais dire. Il y aura sur les liens, des papiers que je vais utiliser, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ça. Allez, bon, bah, écoutez, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, aussi, vous voyez, j'utilise aussi du Philips, mais c'est déconseillé d'en prendre, parce que c'est de la pure merde. Hein. Voilà, du Berbatim français, qui a été acheté en France. Bon, bien sûr, Berbatim n'est pas français. Hein. Voilà. Ok? Bon, alors, Berbatim, ben voilà, ça a coûté 15 euros. Pour ce que c'est, j'en ai que 5. Je trouve que c'est un peu chéro pour ce que c'est. Voilà. Et voilà, tout simplement. Tiens, regardez.
Ça, c'est pour les petits-enfants. Et voilà, il y avait assez les dents. Bon, bref, voilà, tout simplement, j'ai du boulot que je vais faire. Je ne fais pas tout tout de suite parce que j'aime bien être patient. Je suis quelqu'un qui est très très patient, qui est comme ça. Voilà. Bon, bah alors, tout simplement, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein. Donc voilà, bye bye.